Tu as fait le bon choix de venir le dire à un adulte. Viens avec moi, on va en parler en privé. J'ai le courage de parler et la force d'agir. Et toi? J'ai le courage de parler la force d'agir car tout à l'heure à un tournoi, je m'ai éloignée d'un élève avec un comportement intimidant au lieu de parler avec un comportement intimidant. Et toi? Martin est demandé au bureau. Martin. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal encore? Bonjour Martin, rentre. Assieds-toi s'il te plaît. T'as attendu l'annonce pour ton nom dans mon bureau? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Non. Moi, je veux te dire, je suis excessivement fière de toi. C'est une bonne raison qu'on t'appelle à mon bureau. Parce que j'ai entendu dire que tu étais intervenu auprès de deux élèves sur la cour d'école qui avaient un comportement intimidant. Grâce à toi, on a pu intervenir. Je veux te remercier. J'ai eu le courage de parler et la force d'agir. Et toi? J'ai le courage de parler et la force d'agir, car j'ai invité un ami qui était seul. Et toi? Moi, j'ai eu le courage de parler et la force d'agir. Et toi? En encourageant un élève qui vivait des comportements intimidants. En parlant d'un adulte. Et toi? À Saint-Guillaume, tout est possible. Ensemble, contre l'intimidation. Nous avons le courage de parler et la force d'agir. Et toi? Sans crier, dis-lui d'être fort.